c'est votre ramage se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, oh, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il fait quoi? Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Et le renard s'en saisit et lui dit: mon bon monsieur, apprenez qu'être tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien notre hommage. Le corbeau honteux et confus jure à mes